non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, ses fluctuat nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le car, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. Cent ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sommes, aux jeteurs de sommes. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de peur, des copains d'abord. Non, on arrête.
Voilà, ça y est. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Faire une suggestion? Oui. Que j'arrête pas. Toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de... C'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Les bateaux blancs, les prix beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. La vie est en paix au pénal. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en terre peinard, sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, oui. Les copains d'abord. Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en fer peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuades, mec, mervitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de bord, des copains de bord. Des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort. Non plus, l'évangile, il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rang
gardez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapins.